Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, vous allez entendre du bruit parce qu'il y a Enzo qui est déjà réveillé. Il est 9h16. Il me casse les rouettes. J'ai mon réveil. Enfin, je me suis réveillée à 8h. Je me suis dit, cool, je vais être tranquille, au calme et tout. Je suis descendue, monsieur était déjà sur la piste de jeûne. Quoi ? La boîte de tabac. Ah bah oui, t'attends 5 minutes maintenant. Et donc voilà. Alors, petit week-end, assez calme. Assez calme. Dimanche, j'ai fait ma colo, comme vous pouvez le voir, je pense. J'ai rajeuni, j'ai 25 ans. Voilà. Samedi, j'ai juste filmé le Disney Challenge. Qu'est-ce que tu cherches ? Ah bon, écoute, tu perds tes affaires. Hein. J'ai juste tourné le Disney Challenge, donc vous, vous avez eu mercredi. Oui, c'est ça. Et alors, vendredi, il s'est passé pas mal de choses après que je vous ai laissé. Déjà, le meuble est parti, le meuble télé, donc ça fait de la place, c'est bien. Et je me suis été très content d'avoir fait une belle affaire. Voilà, ça a pris 3 minutes, montre en main. Ils l'ont passé par la fenêtre et le monsieur m'a donné les sous, puis il est parti. Je préfère ça. S'il lui fait des affaires, tant mieux. Et j'ai mon litige Vinted qui s'est arrangé. Je me suis arrangé avec la personne. D'ailleurs, je vous mets le lien en barre d'infos de son dressing parce que c'est vraiment une personne incroyablement gentille et il y en a très peu, surtout sur Vinted. Hein, mais déjà dans la vie normale, il y en a très peu, mais sur Vinted, c'est encore pire. Et en fait, oui, mais là, il y a une orquette qui a été confirmée hier soir. Voilà. Donc du coup, je lui ai dit que si moi je remboursais tout le lot et que ça m'emmerdait royalement puisque les sous, je voulais les mettre de côté principalement pour mes dents et tout ça. Donc j'ai parlé un peu avec elle et du coup, elle a validé la vente. Elle m'a mis une éval. Une éval qui fait vraiment plaisir à lire. Et ensuite, elle a mis une annonce pour que je puisse lui racheter l'applicateur de Strass qui était défectueux tout simplement. Donc là je lui ai dit de pas courir pour l'envoyer, hein, qu'elle se casse pas la nénette et tout ça. Au départ elle voulait me mettre le montant des frais de port. Déjà elle m'avait enlevé des sous. Moi je lui avais vendu 15 euros, elle me l'a revendu 11. Et parce qu'elle voulait participer un peu à ma cagnotte. Et elle voulait mettre les frais de port à 0 euros pour pas que je dépense des sous pour rien quoi. Mais du coup, je pouvais payer que par carte bancaire si c'était comme ça. Et voilà, j'utilise pas ma carte bancaire, surtout pas sur Vinted, on sait jamais. Et de toute façon, j'en ai même plus, je crois. C'est bon. Enfin, de toute façon, c'est à mon homme, c'est pas à moi. Et voilà, et donc du coup, je lui ai dit, écoutez, c'est rien pour les frais de port, hein, vous inquiétez pas. Voilà, c'est un produit que je dois rembourser, donc il n'y a aucun souci là-dessus. C'était vraiment le reste du lot que je voulais pas perdre l'argent. Et voilà, donc du coup, là, je lui ai racheté directement. Alors, ça a été tout un bordel pour que je puisse lui racheter. Elle a dû mettre 3 fois l'annonce. On n'a pas arrêté de modifier des choses et tout parce que j'arrivais pas à payer sans carte bancaire. Donc, du coup, une fois qu'elle a mis les frais de port normaux, c'est passé crème. Donc, voilà. Et ensuite, maintenant, j'attends qu'elle valide. Donc, je suppose qu'elle va devoir attendre qu'il annonce pour dire qu'elle doit se dépêcher à poster le colis. Et là, elle pourra dire qu'il a été envoyé. Et puis, moi, j'attendrai dès que je peux lui valider, je lui valide. Comme ça, elle récupère son argent et... Et voilà quoi. Voilà. Donc j'ai trouvé ça chouette et franchement une personne vraiment agréable, très sympathique, très compréhensif. Elle a osé me faire confiance alors que forcément faire confiance surtout sur PayPal c'est pas évident. Hein, sur Vinted. Alors il est au téléphone d'ailleurs. Donc voilà. Maintenant, je vais aller tourner la vidéo pour vous que vous aurez demain. C'est une palette, un make-up, mais pas vraiment avec un tirage au sort, puisque là, j'ai envie de réutiliser les liner cakes d'AliExpress. Donc voilà, je vais faire un petit make-up avec ça et je vais faire mon teint avec vous, puisque je sais que vous aimez beaucoup quand je fais mon teint avec vous. Et on va pas s'entendre tant que monsieur cause au téléphone. Il sait pas à quel point il a une grosse voix. Il est rentré hier soir à 18h30. Je me suis endormie comme un gros caca. Une grosse flatch à 18h30. J'ai été me foutre dans mon lit 5 minutes parce que j'avais pas pu faire ma sieste. Et je me suis endormie, je me suis réveillée, il était 8h15. 20h15 quoi.
Et là, il va repartir. Il n'est pas normal, ce gosse. Il n'est vraiment pas normal. Quoi, tu vas repartir ? Putain, c'est un vrai trou du cul. Me faire partir hier pour que j'y retourne aujourd'hui et la semaine. Moi, je te jure. Il n'a pas cours. Non. Oui, mais il travaille le reste de la semaine, quand même. Mais il va prendre congé. Il va prendre congé une semaine. Lui et son pote, c'est une grande histoire d'amour. Un vrai petit couple. Et t'as fait courir les petits pour rien hier, puisque papa est rentré pas longtemps avant qu'elle te ramène. Une demi-heure avant, je crois. Bref. Donc voilà. Et tu pars à quelle heure, du coup ? J'en sais rien. Bon, t'arrêtes de me poser tes questions, fais ton vlog. Tu fais un bisou à ta maman ? Non. T'es même pas descendu me dire bonjour hier quand je me suis réveillée ? Ben non, moi je dormais. Ah, à 20h ? Ben oui. Ah, je comprends mieux pourquoi tu t'es levé tôt. Voilà, c'est ça. Tu m'as déjà vu me lever tôt dans ma vie. Fais un bisou à ton maman. Fais un bisou. Montre à tout le monde à quel point tu aimes ta maman. T'es... Mais qui est petit con. Ouais, je sais. Qui est grand con. Deux têtes en plus que toi. Donc, peut-être pas deux têtes quand même. Bah, on en est pas loin. Une et trois quarts. Il n'y a pas de... Bah, va, j'entretiens espace extérieur, maçonnite. Bon, je vais laisser faire ses recherches d'emploi et je vais vous laisser là. Moi, je vais faire ma vidéo, je pense. Enfin, il faudrait que je sache à quelle heure monsieur il part. Moi, c'est fin de journée, hein. Il n'a pas fini avant 4h, le gros. Ah, ça va, je suis tranquille. Et voilà, bah, je vais déjà faire mes soins parce que j'ai même pas fait. Je suis levée depuis 8h, ça fait 1h30 que je glande. Et voilà, voilà. Donc là, j'ai deux colis à aller chercher au Mondial Relais et deux à déposer. Il faut que j'en emballe un d'ailleurs, je vais faire ça aussi. Et j'attends que mes bouquins arrivent, au moins les premiers tomes, que je puisse commencer mes gros bouquins, vous voyez. Les poser petits et commencer mes gros bouquins. Bref, je vais pas vous parler de mes bouquins H24 dans tous les vlogs, hein. Je vous montrerai quand je les aurai reçus, comme ça fera plus beau sur ma bibliothèque qui est toujours ce foutu trou là, ça me perturbe. Oh, mes tocs sont en ébullition. Bref, donc je sais pas si je vous reprendrai tout à l'heure. Je me demandais si, puisque là, si je vous reprends tout à l'heure, je serai certainement maquillée, donc il y aura du spoil pour demain. Mais du coup, est-ce que ça vous donne plus envie de regarder la vidéo du lundi une fois que vous avez vu le spoil, ou est-ce que une fois que vous avez vu le spoil, vous avez plus envie de regarder la vidéo? C'est logique. Ben ça dépend. Ben non, c'est logique. Si on te spoil quelque chose, tu vas pas les regarder parce que tu le sais déjà. Ben ouais, mais tu sais pas les produits que j'utilise et tout ça. Bah, parce qu'on te le dit. Ça s'appelle du spoil. Ah ah, question existentielle. Très existentielle. Ben voilà, dites-moi ça en commentaire. Je vais peut-être vous faire un petit sondage sur Insta. Oui, en ce moment, je suis à fond dans les sondages, hein. J'arrête pas de vous en faire. Voilà. Vous avez voté oui aussi pour que je vous fasse la story time là du pourquoi je ne bois jamais d'alcool. Donc ça va venir, je sais plus quand. Je l'ai programmé, mais je sais plus quand. Alors c'est absolument pas une vidéo pour me faire plaindre, hein, ou quoi que ce soit. Voilà, je vous expliquerai pourquoi. J'espère juste que ça pourra aider certaines personnes. Et vous avez voté oui aussi pour que je fasse une fois par mois une vidéo où une abonnée choisit mon make-up. Donc il faut encore que je trouve comment organiser ça. Je pense que je vais faire un tirage au sort sur les personnes qui veulent participer, tout simplement. Voilà, je vous ferai un sondage. Ça sera tout sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre, hein, puisque c'est là que je peux faire des sondages plus facilement. Et voilà, et après je m'arrangerai avec la personne qui aura été tirée au sort pour lui envoyer tous mes produits et qu'elle choisisse elle-même ce qu'elle veut. Et voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, je vous reprends certainement un peu plus tard, parce que là, il est quand même relativement tôt. Et on croise les doigts pour que mon foutu facteur m'amène en face ces putains de crayons de merde. J'espère ne plus avoir de problème de carte. J'ai un souci avec ma carte mémoire. Là, j'avais changé parce que l'autre, j'arrivais plus à la lire dans mon lecteur. Mais en fait, je pense que c'est mon lecteur de mon Mac qui merde. Donc là, chérie m'a trouvé un câble. Donc on va voir. Mais là, ça, je viens de filmer avec l'autre carte et ça m'a marqué erreur. Donc voilà, je peux pas me permettre de perdre des rushs. Sur un vlog, c'est pas très grave, mais sur un make-up, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc il est 8h24 maintenant. Et j'étais en train de vous dire que j'ai... je vous ai pas repris hier parce que j'ai absolument rien foutu. J'ai dormi principalement presque toute la journée. Je suis vraiment fatiguée en ce moment. Là, je suis debout depuis 6h30 de nouveau. Voilà. Vous n'êtes pas droit, on s'en fout. Donc, j'ai fait que ça. J'ai préparé le repas du soir. J'ai bouquiné. Voilà, j'ai beaucoup bouquiné. Je vais vous montrer où j'en suis dans mon petit bouquin. Voilà ce qu'il me reste à lire. J'ai lu tout ça déjà. Et ça faisait deux jours que je n'avais pas lu. Donc, j'étais à fond dedans.
Et là, j'ai le tome 5 qui est arrivé. Donc, chérie va aller déposer les deux colis Vinted aujourd'hui, après le boulot, et récupérer les deux miens. Enfin, j'ai un Vinted et un autre, une commande pour le swap. En espérant que j'en ai d'autres qui arrivent entre temps, comme ça, il ne doit pas recourir. C'est le tome, les tomes 1 et 4 que j'aimerais bien avoir pour pouvoir les lire en gros format et pas en petit, puisque là, je vais bientôt avoir fini le 1, donc je vais bientôt attaquer le 2. Mais la personne ne les a toujours pas envoyés, donc j'attends. Et donc aujourd'hui, je vais faire le make-up que je voulais faire hier, que j'ai pas fait. Je vais d'abord lisser mes cheveux, brosser mes dents d'abord, parce que je n'ai pas encore fait. Lisser mes cheveux, comme ça je peux recharger un peu ma batterie qui vient de passer d'un coup à je suis full à je suis presque vide. On est ravis. Voilà, hier, j'ai fait des commandes parce que j'ai rangé un peu mon backup de produits soins et make-up. Je vais vous montrer ça après, à quel point je suis une obsédée du backup. Quoi. C'est un truc de fou quand même, hein, mais c'est un truc de fou. Mais du coup, je me suis rendu compte en rangeant mes soins que j'avais plus de sérum, j'avais plus de contour des yeux après ceux que je suis en train d'utiliser là. Donc, j'ai fait une commande Maki Beauty, je vous ferai le haul. Hein, de toute façon, juste des sérums et des contours des yeux. Voilà. Et deux autres produits. Le produit Colourpop que je vous disais. Alors, gros coup de cœur sur le lip mask, voilà le camion poubelle. Je vais attendre que je vais passer de devant la porte. Il se fait doubler par un très gros camion. C'est hyper dangereux. Ils sont fous ici. Donc, j'ai découvert le lip mask. J'avais jamais testé. Et mon Dieu, j'en mets tous les soirs et tous les... Avant chaque sieste, donc deux fois par jour, quoi. Puisque je fais des siestes quotidiennes. Mon Dieu, comment est-ce que ça hydrate les lèvres? C'est un truc de fou. Et le Milk Face, là, c'est pas un sérum, en fait, c'est carrément un soin à part entière. Et du coup, je vais le garder pour le soir. Donc là, je vais terminer ma brume Ariel de chez Essence. Et ensuite, j'utiliserai celui-là puisqu'il est ouvert. Et là, je viens d'en trouver deux autres sur Maki Beauty. Ça a l'air d'être la même chose. Donc j'en ai commandé deux, un liftant et un hydratant pour comparer, voir si c'est la même chose que Colourpop. Après, en France, vous avez un peu plus facile à commander Colourpop, donc... C'est pas vraiment une grosse différence de prix, je pense. Voilà. Mais bon, si vous commandez sur Maki Beauty, et qu'une fois ils sont en promo ou des choses comme ça, mais je vous filmerai le haul. Et j'ai fait aussi une commande. Je me suis commandé un serre-tête sur AliExpress. Vous savez que j'aime beaucoup les serre-têtes. Et ça fait depuis des mois que je cherche un que Manon met très souvent, qu'elle est en doré, que moi je cherche en argenté. Elle, il venait de chez Primark, je lui ai demandé. Et là, j'ai trouvé à peu près le même sur AliExpress. Donc, elle, c'est un doré avec plein de rangs comme ça et des strass et tout ça. Là, j'ai trouvé le même en argenté. Donc, voilà. Et j'ai fait une commande Shein. Alors, c'est très rare. J'ai fait qu'une commande Shein hein, depuis le début. C'est très rare que je commande chez Shein. Mais en fait, sur AliExpress, quand j'ai trouvé le serre-tête, je voulais absolument trouver un chouchou puisque c'est ma nouvelle obsession du moment, c'est les chouchous. Je voulais trouver un kaki et un militaire. Et pas prouvé. Donc je me suis dit, tiens, j'allais voir sur Shein. J'ai une pub qui s'est affichée comme ça, Shein. Je me suis dit, tiens, c'est pas bête, je vais aller voir là. Et du coup, j'ai acheté pour 50 balles d'accessoires cheveux. Enfin, il y a d'autres trucs aussi, mais je vous dis pas maintenant. Je vous filmerai le haul aussi. Voilà. Et j'ai toujours pas. Si, j'ai trouvé un kaki quand même dans un lot, mais j'ai pas trouvé de chouchou militaire. Donc voilà. Sniff. Mais bon. J'aurai un lot de chouchous quand même assez important maintenant, je pense. Et voilà, donc ça, je vous ferai les deux hauls. Ce sera certainement des vidéos bonus, sauf si je les reçois à la place d'une vidéo ou des choses comme ça. Enfin, je sais pas, je verrai encore, mais normalement, c'est du bonus. Et voilà. Sinon, je n'arrivais pas à faire passer le code de DJ, ni celui de Laura, donc je lui ai dit... Mais d'ailleurs, je vais contacter la personne. Et en fait, après, je suis passée par un autre lien que par la pub que j'avais eue. Et là, il est passé. Donc, je ne sais pas c'était quoi la différence entre les deux liens. Mais du coup, après, il est passé. Voilà. Donc là, je vais aller brosser mes dents et lisser mes cheveux. Mon montage est presque fini d'enregistrer, je crois. Donc, le temps que je prépare tout, il sera fini. Et je pourrai regarder la vidéo de Amy que j'ai pas vue d'hier. En lissant mes cheveux, qui sont tout doux. Voilà, voilà. Je sais pas si je vais vous reprendre après ou pas, du coup. Hein. Enfin, on va voir sur la journée. Peut-être un peu quand Sam sera levé, s'il a envie. On verra.
Bon, lui, il n'est pas prêt de se lever. Hein. Je sais pas à quelle heure il a été se coucher encore, mais voilà. Ouais, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Donc, voilà. À tout de suite. Il est 12h31 et voilà seulement que je finis ma vidéo. J'ai eu que des emmerdes avec cette vidéo. Enfin, voilà. Donc, voilà, je me suis un peu emportée avec les liner cakes. Mais vous verrez ça demain. J'espère que ça vous plaira. Hein. Là, je vais vous montrer mon stock. Parce que je vous avais dit que je vous le montrerais. Parce qu'après, j'allais manger et à la sieste, je pense. Peut-être bouquiner. De toute façon, il faut que je fasse le montage. Parce que sinon, je ne vais plus m'en sortir. J'ai trop de rush là. Je vais vous montrer mon stock. Je vais ranger mon petit bordel. Et je vais vous montrer mon stock de produits soins et de make-up. Alors, ne me jugez pas. Je suis juste une obsédée du backup parce que j'ai toujours peur qu'on discontinue les produits que je préfère. Donc, quand j'aime quelque chose, j'achète pour être sûr de jamais tomber à court. Là, maintenant, il va falloir que je fasse un stock de base NYX, par exemple, vous voyez. Mais j'attends qu'elle soit quand même un peu en promo parce qu'elle est quand même un petit peu chère. Mais l'un dans l'autre, si je diminue le prix de mon anti-cerne en restant sur le essence, je peux mettre un peu plus cher dans une base, vous voyez. Voilà, on négocie comme on peut. Hein. Ma tête est en pleine discussion avec elle-même, là. On ne sait pas trop. J'ai enlevé mes fossiles aussi, puisque, bon, la vie est finie. Mais j'adore ces fossiles. Ils sont trop beaux. Pouh, j'aime pas les enlever. J'aimerais tellement pouvoir les laisser. Je dois remettre mes lunettes, sinon je recule dalle. Surtout que là, ça fait un bon moment que je les ai enlevés, donc je vais attraper mal la tête. Donc, c'est les Oh My God... son nom, c'est celui que je mets soit l'un, soit l'autre. Voilà, ou les Gatsby de l'espace que j'aime. Donc, allez, au revoir, petit fossile. Je vous aime. Ah, c'est plus du tout pareil. Hein. Non. Mais bon, on n'a pas le choix. Quand on a des binocles, il faut faire avec les binocles. Hein. Voilà. Bon, je remets les binocles qui sont, devinez quoi, totalement dégueulasses. Je vais prendre une lingette et je vais les laver. Maintenant que j'en ai, hein, j'ai acheté deux boîtes pour mettre une en haut, une en bas, et qu'à chaque fois, je commence quand même en vous disant que mes carreaux sont dégueulasses. Mais bon, voilà. Avant, ils étaient souvent propres parce que quand je vais chez mon frère, mon neveu et mon frère ont une passion pour nettoyer mes lunettes. Voilà. Mais comme depuis le confinement, on se voit beaucoup moins qu'avant, ils sont moins souvent propres qu'avant. Voilà. Oui, mon frère ne supporte pas les carreaux dégueulasses, même que lui, il ne met pas de lunettes, hein, mais voilà. Et mon neveu, comme il est porteur de lunettes aussi... il sait ce que c'est, donc voilà. Souvent il fait les siennes quand je suis là, donc du coup il fait les miennes aussi. Ça me fait penser à dans un journal, il dit, qu'est-ce qu'il veut le petit mamadou, vous venez nettoyer le carreau de... Non, qu'est-ce qu'il veut le petit gitan, vous venez nettoyer le carreau de mes lunettes. Voilà. Je vous ai fait un sondage sur Insta pour voir si ça vous dérangeait que je vous spoil les make-up ou si ça vous donnait envie de regarder justement le lendemain. Et la plus grande majorité... À 97%, je crois, on dit que ça leur donnait envie. Donc, ben voilà, je vous donne envie. Là, regardez la vidéo demain. J'ai mis du rouge à lèvres partout sur ma tasse. Bon, je vous montre mon stock. Et je crois qu'on en restera là pour aujourd'hui. Voilà, c'est déjà pas mal. Je filme avec le téléphone, hein, voilà, parce que c'est plus facile. Et on va passer d'abord aux soins. Donc, faites pas attention au bazar. Il y a toujours du bazar dans cette question. Mon mari vient tout stocker ici. Alors, là, d'abord, c'est les cotons. Voilà. Dans mon tiroir. Alors, le meuble est très vieux. Hein. Il manque un carreau, d'ailleurs. Mais c'est un que j'ai récupéré de mon grand-père à son décès. Donc, voilà. J'y tiens. Alors, ici, on a le stock d'éponges de chez Action, de toniques, les produits cheveux, les produits corps, les maquillants, eau de rose, les maquillants. Ici, du Wonder Ball, le haut logo, mais que je ne vais pas garder. Donc, je vais l'enlever. Un spray essence Wet n Wild, un spray essence ici, un masque, ça c'est des soins, une crème hydratante, donc il me reste plus que ces deux là en crème hydratante, j'aurais peut-être pu racheter un peu quand même. Enfin voilà, ici mon stock de savon pour les pinceaux, de savon pour les sourcils et de rasoir pour le visage.
Et voilà, mais c'est pas le pire. Donc c'est pour ça que je vous disais, j'ai plus de sérum en fait. Plus de sérum et plus de contour des yeux. Ah, il me reste encore cette crème hydratante là aussi. Oh, ça va, j'en ai trois. Puis ça, je peux en trouver en grande surface pour beaucoup moins cher. Donc j'ai recommandé plein de sérums et de contour des yeux. Mon stock make-up, c'est ici. Alors vous voyez que le fond de teint Catrice, je risque pas d'en manquer. Ça, c'est tous les anti-cernes. Donc il y a les essences. Ah oui, j'en ai pris plusieurs. Il y a Infinite, XX, base, une base, une base, fixateur, fixateur, Colkis. Il me reste plus qu'un lot des Max, ça aussi, il va falloir que je rachète. Poudre, j'ai deux essences et une Sephora. Le liner, je risque pas d'en manquer non plus. Base à paupières, donc là il me reste une queue de plus canvas, sinon c'est que des autres. J'ai une petite eyeshadow là. Mascara, mascara. Ça c'est des crayons à sourcils Foera. C'est ça, hein, c'est bien ça. Et ici j'ai des crayons à sourcils Catrice et compagnie. Et un liner étoile. Voilà. Et un Sephora, crayon noir Sephora, enfin voilà. Crayon noir, les crayons. Et voilà, donc il va falloir que je me recommande des IMAX quand même, parce que là c'est ma dernière. Et ici, ça va, j'en ai pas encore pris, elle est complète. Donc, bon après j'ai les actions qui sont pas trop mal, mais je préfère quand même largement les IMAX. Voilà, puis ça aussi, il faudra que je recommande les deux d'ailleurs, parce que j'aime bien les deux. Donc j'alternerai, comme ça fera une fois moins cher que l'autre. Celle-ci, je l'aime bien aussi chez Action, on l'a offerte. Donc voilà. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, j'ai enfin fini le Profreeze de chez AVH. Voilà. Enfin, j'ai envie de vous dire, vu le prix, il est parti très vite. Hein, mais voilà. Maintenant, je vais rester à mes petits savons. Le Catrice, je ne suis pas emballé. Il fait le job, il fixe bien, mais il est un peu plus pâteux que le Pierce. Donc, je pense que je vais le donner à Laura. Le Catrice et essayer le Essence qui lui m'a vraiment plu au premier coup. Donc celui-là va dans les produits finis. Normalement je garde que les produits make-up pour faire une vidéo spéciale make-up. Oh, vous voyez mon petit chauffage à air. Mais du coup je vais quand même en parler dans les prochains produits finis pour que les gens qui regardent pas les vlogs évitent d'acheter ce produit. Donc voilà, je l'ai enfin fini, je vais pouvoir passer à autre chose et je suis bien contente. Donc sur ce, moi je vous laisse, je vais aller attaquer le montage du make-up je pense. Ouais, je pense que c'est ça et après mamie va faire sa sieste. Alors, il est 8h04 pour être très précise, comme d'habitude. Une vraie horloge parlante la Fifi. Je me suis réveillée avec une barre là, au crâne, donc... On va attendre de voir si ça passe. Je sais pas si ça va passer. Je sais pas si je vais filmer aujourd'hui ou pas. J'ai la vidéo de mercredi à tourner. Je suis pas toute seule pour la faire. Voilà. Je vous en dis pas plus maintenant. Vous verrez bien. C'est pas DJ qui vient. Hein, je vous le dis tout de suite. Mais je fais une vidéo avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà. Et donc je vais voir si je vais la tourner aujourd'hui ou pas. Et d'ailleurs, je me suis dit qu'il faudrait que je prenne la palette là pour la faire. Et là, j'étais en train de me dire quand même que j'ai énormément de palettes vertes. Hein. Maintenant, on est d'accord, j'en ai beaucoup trop. J'ai beaucoup trop de palettes tout court. Hein. Mais il y en a quand même deux que si jamais elles sortent, hein, parce qu'elles ne sont pas sorties, c'est juste si jamais un jour ça sort, je me prendrai encore ces deux-là, qui est justement une Beauty Bay dans ce format-là. J'aime beaucoup. S'ils en sortent une dans les teintes vertes. Et chez XX Révolution aussi. Voilà, bon là il y aura beaucoup plus de fards, mais si jamais ils sortent une verte, je pense que je la prendrai quand même. Je pourrais pas résister de toute façon, et c'est des palettes pas bien chères, donc voilà. C'est les deux seules que je m'achèterai encore, je pense, si jamais ça sort. Après on est à l'abri de rien, hein. Ça peut qu'il y ait du vert, je craque. Il y a la deuxième by Mitchell aussi que j'aimerais bien m'acheter, mais bon, on va attendre un petit peu. De toute façon, pour l'instant, je l'ai mis dans la wishlist du swap, comme ça je peux pas acheter tant que... Tant qu'on n'a pas échangé les swaps, quoi. Que je n'ai pas déballé les swaps, que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà, on s'est fait des petites wishlists sur Insta en privé pour mettre des produits et on sait qu'on n'a pas le droit d'y toucher. Bon, la palette verte y était, de By Mitchell, là, la Fit on the Ground, mais j'ai quand même craqué, mais j'ai demandé l'autorisation aux filles d'abord. Donc voilà. Et je la mettrai après le swap, je mettrai la wishlist en public. Parce qu'on m'a demandé, voilà.
Pour ce qu'il n'y a pas eu dans le swap, et comme ça, voilà, vous savez ce qu'il y a dans ma wishlist. Sinon, j'ai fini mon tome 1 de mon bouquin hier soir, donc là, j'ai attaqué le 2, voilà. J'attends toujours les gros tomes, mais la dame les a envoyés que hier, je ne sais pas si je vous l'ai dit hier ou pas, donc je ne les aurai pas avant vendredi. En espérant que ce soit vendredi, puisque c'est le jour où mon homme va déposer mes colis vintage. Quoique là, j'ai pas fait de vente entre-temps, mais on verra bien. Sinon, ça sera samedi ou mardi, puisque le dimanche et le lundi, il est fermé, mon point relais. Donc d'ici là, j'aurais peut-être entamé le bouquin numéro 3 quand même. Hein, donc, on verra bien. J'ai reçu le tome 5 hier, donc il y a déjà un trou en moins dans, dans mes bouquins. C'est déjà pas mal. Voilà. Je crois que c'est tout. Je crois que j'avais rien d'autre à vous dire. Parce que je me suis réveillée avec un mal de crâne. Hein. Enfin, c'est pas vraiment un mal de crâne. C'est vraiment une gêne au niveau du front. Là, ça m'arrive souvent, mais je pense que ça vient de mes cervicales. Donc, je sais pas encore si je vais filmer ou pas. Ah oui, j'étais en train de me demander. Oui, je suis très productive le matin au réveil, moi. J'étais en train de me dire hier soir qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de vidéos le mardi et le jeudi sur YouTube, en fait. Et j'étais en train de me demander si je ne changerais pas les jours de publication. Donc, en gardant le lundi avec la vidéo make-up, le dimanche avec le weekly vlog, un samedi sur deux, les lives. Mais est-ce qu'au lieu de mettre le mercredi et le vendredi les vidéos, je ne les mettrais pas le mardi et le jeudi? Parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à regarder ces deux jours-là. Tout le monde poste les mêmes jours. Donc, bah dites-moi ça en commentaire pour voir si ça pourrait vous plaire que je sorte... les deux jours où il y a moins de vidéos à regarder, en fait. Voilà. Ok, bah écoutez, là, je vais attendre. J'ai un colis Beauty Bay qui doit arriver pour le swap. C'est l'avant-dernier que j'attends. Et j'attends toujours les crayons que j'avais pris pour m'annoncer. Mais ah, le vendeur. Je lui ai envoyé quand même un message. Parce que j'attends quand même depuis le... Ils sont postés depuis le 30... Enfin, je les ai commandés le 30 décembre. Ils sont arrivés dans mon village depuis le 16 février, donc je lui ai quand même envoyé un message en disant, écoutez, je les ai toujours pas reçus, quoi. Voilà, c'est quand même pas un montant de 2 euros, quoi. Il me dit, est-ce que vous avez pensé à vérifier votre boîte aux lettres? Non, monsieur, ça fait 3 mois qu'ils sont dedans et j'ai pas pensé à les vérifier. Il y en a, ils sont un peu con-con, hein. Donc là, il m'a étendu la protection de l'acheteur et il m'a dit qu'après, si j'en avais marre d'attendre, il rembourserait... dès que je lui demande, quoi. Donc, voilà. Si jamais je ne les reçois pas, il va falloir que je trouve un produit à racheter pour le swap de Manon en plus. Pour que le montant soit équitable. Donc, ça, je verrai après. J'ai déjà une petite idée. Donc, c'est pas très grave. Sinon, oui, sur Vinted aussi. Mais les gens me pompent. Mais ils me pompent. J'ai réussi à confirmer que j'avais bien reçu le colis de la dame que je lui ai racheté le produit. Là. Donc, voilà. Tout est réglé. Mais j'en ai une autre, j'ai mis des lots de 10 bagues fantasy pour 5 euros, les 10 bagues. J'ai bien marqué que c'était du fantasy dessus. Elle me demande si c'est en argent. Bien sûr, 10 bagues en argent pour 5 euros. D'accord, l'argent, ça vaut pas l'or, mais non, non, madame, c'est pas de l'argent, c'est de l'or blanc. Non, je... Voilà, quoi. Il y en a... on se demande de quelle planète ils viennent, hein, je vous jure. Bref. Donc, bah écoutez, moi, je vais déjà vous laisser là pour l'instant. On verra si je vous reprends tout à l'heure. Je vais certainement vlogger un petit peu avec Sam tout à l'heure parce qu'il me demandait. Donc, Mamie Cachou a eu son message pour le live de samedi. Sam m'a dit qu'elle avait intérêt d'être là. Elle est nymphe, voilà. Elles ont intérêt d'être là toutes les deux. Donc, je vous repasse le message, les filles. Voilà. Ouais, bah écoutez, je vais vaquer un peu à mes occupations. Je vais voir si mon crâne, ça s'arrange. Je vais voir si je vais filmer. Et voilà. Après, j'ai très envie de me maquiller, mais est-ce que j'aurai le courage de filmer? Je ne sais pas. Après, bon, il est 8h10, hein, donc j'ai encore un peu de temps, mais j'aime bien filmer tôt, moi. Comme ça, j'enchaîne. Après, je fais le montage et tout ça, tout ça. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai mon lave-vaisselle à remplir et un coup de balai à donner, au moins. Il faudrait bien que je nettoie, mais... Cette semaine, j'ai une flemme, quelque chose d'incroyable. Bon, on est que mercredi, hein, donc j'espère que ça va s'arranger, parce que je ne peux pas rester comme ça toute la semaine. Mais voilà. Ok, j'ai rien d'autre à vous dire, donc je vais me taire. Vous avez le gros patapouf qui dort en fond, là. Donc, il est 9h56 et j'ai toujours pas bougé mon cul. Hein. Voilà, je suis toujours en pleine flemme. J'ai toujours du mal à me réveiller.
Donc là, je viens d'aller faire un petit tour sur Amazon, puisqu'il fallait que je me recommande des éponges IMAX, hein, parce que vous avez vu que mon stock n'est pas assez gros. Donc là, j'ai recommandé deux lots de IMAX, et je suis tombée sur deux affaires, donc j'ai commandé. J'ai trouvé le mixing liquide de chez Meron en 133 ml pour 13,25€. Donc je m'en suis recommandé un, puisque le mixing liquide de chez Meron descend beaucoup plus vite que celui de chez Revolution. Bah déjà, je l'utilise beaucoup plus. Et comme il est un peu moins gras, il faut en mettre un petit peu plus. Pas énormément. Et puis bon, vu le prix, ça vaut quand même le coup. Donc là, je me suis recommandé un comme ça, qui doit arriver entre le 6 et le 10 avril. De toute façon, je vous mettrai ça dans le haul avec le haul Maki Beauty. Je pense que j'attendrai un peu pour vous faire le Maki Beauty. Et je suis tombée sur un coffret NYX, la base NYX Marshmallow, avec le grand format 30 ml plus un petit format 8 ml pour 13,17€ les deux. Donc j'en ai pris deux. Voilà. Et je vous mettrai une mini base de côté pour les concours de toute façon. Mais à ce prix-là, ça vaut vachement le coup, quoi. Donc, si jamais vous n'avez pas encore eu le haul, je vous mets le lien de ce coffret-là en barre d'infos quand même. Et voilà, le haul, je le ferai quand j'aurai reçu. Bah, peut-être pas le mixing, je sais pas. Le mixing, au pire, je vous mettrai en photo. Voilà, parce que les éponges et les bases, je les reçois demain avec Prime. Et y a un autre truc que j'ai commandé pour le swap pour Manon, au cas où je ne recevrai pas les crayons. Si je les reçois entre-temps, le produit ira dans les concours. Mais si jamais je ne le reçois pas comme ça, parce que là, il parle de la livraison prévue entre le 17 avril et le 12 mai. Quoi. Donc, voilà, je préférais anticiper. Et je me dis, de toute façon, c'est pas perdu. Au pire, ça ira dans les lots des concours si jamais je reçois les crayons. Donc, voilà. Mais écoutez, je viens de dépenser des sous. Voilà. Mais j'ai fait une bonne affaire, surtout avec la base. Je suis super contente. C'est dommage qu'il n'y ait jamais de promo sur les éponges IMAX, où plus on en commande, moins ça serait cher. Ça, c'est dommage. Là, j'ai pris que deux boîtes, parce que bon, j'ai encore celle de chez Action que je préfère moins, mais que j'aime bien quand même, donc voilà. Mais je peux pas rester sans un stock de IMAX en me disant si un jour ils les arrêtent. Enfin, voilà, vous avez compris mon obsession du discontinuage de produit, quoi. Ça me fait peur. Donc voilà, bah là il est 10h, je pense que je vais attendre le facteur et que je vais aller me recoucher parce que mon mal de crâne passe pas, donc je ferai pas ma vidéo aujourd'hui. J'aime pas filmer quand je suis pas au top de ma forme. Donc là je pense que je vais attendre le facteur et aller me recoucher avec mon chien, je suppose qu'il va me suivre dans le lit puisque il est même pas sorti pisser encore rien, il fait que dormir depuis que moi je suis réveillée. Donc voilà, bah, je vais leur donner à manger aussi. Donc voilà, je vous montrerai quand même le coffret NYX demain pour vous montrer à quel point ça vaut le coup. Enfin, demain ou après-demain, suivant à quelle heure je le reçois. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez profiter de l'offre, parce que c'est incroyable, un prix pareil. J'aurais eu plus de sous, j'ai un poil qui me chatouille du nez. J'en aurais pris plus, hein. Quitte à en prendre 5, mais bon, quand même mollo, hein, cocotte. Voilà. Donc, bah écoutez. Je crois que la journée va déjà être bonne. Je sais pas si je vous reprendrai tout à l'heure ou pas. Donc, on verra ça. Soit je vous reprends, soit ensuite. Alors, petit spoil. Vidéo le mercredi. Voilà. Il est 10h13. J'ai faim. Oh, je vais aller manger. Donc, là, je viens de finir de tourner ma vidéo donc de mercredi. Et voilà. Je range mon bazar. Hein. Comme d'hab, vous m'excuserez. La moitié du temps, je suis pas sur l'écran. Donc, vous avez l'habitude. Hein. Donc j'attends mes colis Amazon, puisqu'aujourd'hui je dois recevoir mes coffrets de base NYX et mes éponges IMAX. Et ce matin j'ai commandé les deux Forever Flawless de chez Revolution en collaboration avec Friends qui viennent de sortir. Voilà, comme ça vous savez tout, toute ma vie. Donc les Flawless, hein, vous savez que je fais la collection, donc c'est pour ça que je les ai commandés direct. Pour être sûr qu'elle ne me passe pas sous le nez parce que ça va être du limité. Dans les, enfin, c'est une édition limitée, donc je ne les aurai pas tout le temps. J'ai déjà raté celle d'Halloween, pas de l'année dernière, mais de l'année d'avant. Donc voilà, ça fait un trou de deux palettes déjà dans ma collection, donc il ne faut pas que j'en loupe d'autres. Bref,
Donc voilà, vous savez que les Forever Flawless, je les commande à chaque fois qu'elles sortent. Et là, je disais justement que ça faisait longtemps qu'ils n'en avaient pas sorti. Et bam, ils en sortent deux d'un coup en collab. Donc vu que c'est de l'édition limitée, j'ai commandé tout de suite. Parce que la dernière fois qu'ils ont sorti des trucs Friends, au bout de 2 heures, il n'y avait plus rien en stock. Hein. Donc voilà, bah écoutez, de toute façon, dès que je les aurai, je vous ai fait un sondage ce matin sur Insta pour voir si vous vouliez que dès que je les ai, on se retrouve pour une vidéo par jour cette semaine-là, puisque je suis à 4-5 vidéos par jour, enfin 4 vidéos plus parfois le live, ça fait déjà 5, plus les deux là, ça fera 7, donc ça fera une semaine complète. Comme ça, je vous les enchaîne et je vous laisse pas attendre trop longtemps si jamais vous voulez les commander. Et puis moi, j'aurais très envie de les tester, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé une nouvelle Flawless. Et voilà, donc je vous les enchaînerai, ça sera soit la semaine du 12, je crois, ou celle du 18, je sais plus. On verra quand est-ce que je les reçois, parce qu'il y a des délais de livraison assez longs pour l'instant avec l'Angleterre. Apparemment, elle serait sortie sur Boozy Shop ce matin aussi, donc voilà, j'aurais été un peu moins impatiente. J'aurais pu les commander et les avoir demain, mais bon, écoutez, voilà, elles sont commandées. Le principal, c'est que je les ai et que ça fasse pas un trou dans ma collection. Le reste, on s'en fout. Donc ça fera 2 swatches de make-up en plus, hein. On m'a demandé des swatches de make-up, mais en principe les swatches de make-up je les garde pour les nouvelles palettes. Là la Mitchell, je vous avais fait une palette trop look avec, mais on m'a quand même demandé un swatch de make-up, mais bon, ça sera un peu plus tard, hein, voilà. Donc voilà, je vais attendre mes petits colis maintenant en faisant le montage, et voilà, ma vie n'est pas très passionnante, hein. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Là j'ai ressorti mes gouttes de savon Pierce, parce que je vais les fondre et les faire couler directement dans ma boîte à savon. Là aujourd'hui j'ai utilisé le essence, alors il est très bien, question savon il est très bien, mais j'aime pas le packaging. Ne cherchez pas à comprendre, voilà, je vais rester sur mon savon Pierce. J'aime pas le packaging en fait, parce que comme il y a le petit rebord en métal, on a du mal à tourner le goupillon dedans, ou alors il faut vraiment le mettre en angle droit, et voilà. Donc voilà, le Catrice et le essence, je vais les mettre en vente sur Vinted. J'avais dit que je les donnerais à Laura, mais je lui ai donné un gros savon, enfin, un savon Pierce déjà, donc elle a pour un moment. Donc je vais les mettre en vente, pas très cher, hein, mais je vais les mettre en vente. Et moi je vais rester sur mon savon Pierce que j'aime tant. Voilà. Sinon, là je viens de finir une base et un fixateur. Donc je vais essayer de finir la Sephora et le spray essence que j'avais eu de Amy. Du coup j'ai mélangé le reste du lapin rose là, de chez DM, dedans. Et comme ça il sentira quand même un petit peu le mal à barre. Et je transvide toujours les fonds de mes fixateurs pour pas gaspiller, quoi. Voilà. Voilà pour ma petite histoire du matin. Sinon, j'ai rien d'autre à vous dire. Donc, voilà. Je vous reprends. Si je reçois le colis pas trop tard, je vous le montre. Sinon, je vous le montrerai demain. Et puis, voilà. On va voir comment se goupille la journée de toute façon. Donc, il est 10h34. Ça fait pas longtemps que je vous ai laissé. J'étais en train de commencer à couper mes bouts de savon Pierce. Et le facteur a sonné. Donc, j'ai reçu mes 2 petits colis Amazon. Les autres mettent plus de temps. Donc, mes 2 IMAX. Voilà. Et j'ai reçu les coffrets NYX avec les bases NYX. Alors, sauf que vous n'avez pas la boîte qui est présentée sur le site. Vous les recevez chacun dans une enveloppe bulle comme ça, plus un carton. Et voilà. Donc, vous avez la grande base NYX plus la petite. Donc, c'est trop mignon. Donc, les petites, c'est marqué 8 ml, mais il n'y a pas énormément de quantité dedans, j'ai l'impression. De toute façon, je vais vous les mettre de côté pour les lots des futurs concours, hein, notamment celui de Noël, mais il y aura aussi un que je vais vous faire en été, je ne sais pas encore si je le ferai en juillet ou en août, pour les 9 ans de la chaîne, puisque j'ai créé le compte YouTube en août, ma première vidéo a été postée en septembre, mais je les ai effacées, il ne m'en reste plus qu'une de décembre de 2012, mais grosso merdo, voilà, fin de l'été, on arrive dans la. On entame la 9e année de vidéo. Oui, c'est ça passe trop vite. Je crois que j'ai jamais eu une passion qui durait aussi longtemps dans ma vie. Donc je vous ferai un petit concours pour les 9 ans de la chaîne. Voilà, mais je ne sais pas encore si je le ferai en juillet ou en août. Peut-être à cheval sur les deux pour ceux qui sont en vacances. Comme ça. Les juilletistes peuvent participer la première semaine d'août. Les Aoussiens peuvent participer la dernière semaine de juillet. Mais on ne sait pas si on va pouvoir partir en vacances. Donc, je ne sais pas encore. On verra à ce moment-là. Mais je vais commencer à fouiller un peu dans mon tiroir de l'eau. Voir un peu ce que je peux vous mettre.
Et voilà, là, comme il y en a deux, je pense que je vais vous les garder pour Noël quand même, parce que comme ça, j'en mets une dans chaque lot, vu que j'ai toujours de lots hein, pour Noël. Donc voilà, écoutez, bah, moi je pense que c'est tout pour aujourd'hui, j'attends rien d'autre. Je vous montrerai peut-être mon savon une fois qu'il sera consolidé, je ne sais pas encore. On va voir comment se goupille la journée, si j'ai la foi de ressortir mon appareil après et tout ça, quoi. Alors, il est 9h33, voilà, c'est déjà le dernier jour de vlog, c'est pas, la semaine est passée trop vite, mais alors vraiment trop vite. Donc voilà, j'ai quelques petites choses à vous dire avant de clôturer, et je vais voir, j'ai le facteur qui doit me déposer un colis qui est l'avant-dernier produit pour le swap de Manon. Donc après, je vais pouvoir m'amuser à emballer, même si je suis trop à l'avance, je m'en fous. Hier, j'ai reçu, juste après que je vous ai laissé, parce que hier, j'ai eu mal la tête toute la journée après, donc j'ai été me coucher, tout ça. Et juste après que je vous ai laissé, j'ai reçu mon mixing liquide de chez Meron. Alors, j'ai pas compris, puisque c'était marqué livraison le 10 avril, et je l'ai reçu hier en 24 heures, enfin, en moins de 24 heures d'ailleurs, donc sur Amazon, hein. Donc là, je l'ai déjà monté pour filmer le haul. Et hier, j'ai fait une petite expérience ongulaire. Je vous ai partagé la story sur Insta. Voilà, je vais vous montrer les vernis. J'ai fait ça, donc sur mes ongles naturels. Hein. Et j'ai mis les deux vernis que j'ai de chez Neonails, les Urban Graffiti, le Artemis et le Sakura. Voilà, qui sont les deux là. Et que j'aime beaucoup, qui vont très bien ensemble. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme expérience? Bah, tout simplement, j'ai mis le VSP sans limer l'ongle, en fait, pour voir si ça tient. Donc, j'ai quand même mis une base en dessous. J'avais dit que j'essayerais sans base, mais voilà, pour essayer de limiter l'affinement de mes ongles, parce que j'ai quand même les ongles, j'ai la chance de les avoir assez épais et assez costauds, mais à force de les limer, bah, ils s'affinent, ils deviennent cassants. Avec le VSP, ils deviennent mous déjà, donc. Voilà, là j'ai essayé, on verra ce que ça tient. Et du coup, Manon m'a dit le soir qu'elle, elle le faisait, elle griffait très rarement ses ongles et que du coup, ça tenait à peu près 15 jours chez elle. Donc écoutez, si ça tient 15 jours, moi j'ai envie de vous dire, je suis ravie, ça tient toujours plus que du vernis classique hein, qui s'écaille au bout de 2 jours. Voilà, donc je suis bien contente, on va voir ce que ça tient. Donc ça, je vous en parlerai dans le prochain vlog, je pense, si j'y pense. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. Dites-moi si vous l'avez déjà fait sans griffer vos ongles avant pour que ça tienne, que ça grippe. Et voilà. Sinon, mon savon Pierce a été fondu et je l'ai donc mis directement dans ma petite boîte à savon, ma petite boîte à savonnette. Donc voilà, là j'ai de nouveau une grosse quantité, il y a plus de 120 grammes puisqu'il y avait un savon et demi, on va dire. Hier, j'ai fait une dépense aussi que j'avais dit que j'attendrais sur Vinted. J'ai trouvé les 10 premiers tomes de la suite de mes bouquins là. Hein, les Chevaliers d'Émeraude, il y a la suite qui sont les héritiers d'Anquidiev. J'ai trouvé les 10 premiers tomes en brochet, donc en gros format, pour 40 euros. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, il ne manquera plus que le tome 11 et le tome 12, que limite, si je ne les trouve pas à bon prix sur Vinted, je peux toujours les acheter sur Amazon. Parce qu'il y a même quelqu'un qui vend le tome 12, je crois que c'est le 12, à 23 euros, plus les frais Vinted, plus les frais de port. Hein, on se sort à 25, 27 balles le bouquin, alors qu'en neuf, ils sont à 12 euros sur Amazon. Hein. Je dis ça, je dis rien, monsieur, mais bon. Sinon, j'ai trouvé les deux à 10 euros. Donc là, je vais attendre que les prix baissent. Quand j'aurai un peu de sous sur Vinted, je ferai des demandes pour les avoir à 5 euros. Et puis, on verra si ça passe ou pas. Là, le monsieur les vendait à 50 de base, avec 3,88 € de frais de port. Je lui ai demandé plus de photos parce que, en fait, dans la description, il avait marqué bon état, mais dans l'annonce où on sélectionne l'état du produit, il avait marqué très bon état. Donc, j'étais un peu suspicieuse de savoir dans quel état ils étaient vraiment. Donc, du coup, je lui ai demandé plus de photos et ils ont l'air nickel. La brochure a l'air bien et tout. Donc, voilà. Et je lui ai dit, du coup, ça m'arrange pas parce que je voulais vous en proposer 40 euros. J'espérais qu'il y en ait au moins un qui soit un peu abîmé. Vous voyez? En me disant, comme ça, je lui propose 40 euros. Et puis là, il m'a dit tout de suite, non, mais c'est OK pour 40 euros, vous inquiétez pas, je vous les réserve et tout. Donc voilà, j'ai attendu mes sous sur PayPal et puis j'ai fait le paiement hier. Donc voilà. Donc ça me fait quand même que là, bon, il me manque les deux derniers tomes, mais ça me fait quand même 22 bouquins à lire. Je crois que j'en ai pour un petit moment avant de devoir commander le 11 et le 12, sauf si le prix baisse vraiment beaucoup sur Vinted. Donc on verra bien. Et voilà, donc là, du coup, j'ai refait du tri dans ma bibliothèque pour pouvoir les ranger.
Donc ça, je vais les mettre sur Vinted. Bon, je vais certainement faire ça maintenant. D'abord, je vais aller laver mes éponges et mes goupillons d'hier parce que je ne l'ai pas fait encore. Et voilà, je vous reprendrai au pire des cas après que le facteur soit passé pour vous dire au revoir si jamais il n'y a que le colis là que je reçois. Mais je sais que j'en attends un autre. J'ai une abonnée qui m'a envoyé un petit cadeau pour Pâques. Voilà, donc je ne sais pas si je l'aurai aujourd'hui ou si ça sera la semaine prochaine. Donc je vais attendre que le facteur passe, comme ça si jamais je le reçois aujourd'hui, je peux le déballer avec vous. Et sinon, je repasserai pour après pour vous dire au revoir, parce qu'aujourd'hui c'est journée glandouille. Voilà, j'ai décidé, ça fait 3 jours que je me lève avec le mal de crâne. En fait, c'est à cause de mon oreiller. Il faut que je change mon oreiller parce que j'ai mal les cervicales quand je me lève et du coup j'ai mal la tête. Ça, c'est depuis mon accident de voiture. Hein. Les cervicales ont pris un sacré coup. Forcément, j'ai quand même fait 3 tonneaux. Bref, ouais, voilà. Donc, je vous reprendrai après. Ouais, là, je vais aller laver mes trucs. Mettre les bouquets en vente sur Vinted. Comme ça, c'est fait. Je peux les monter dans mon bureau pour pas qu'ils traînent en bas. Et voilà. Après... j'hésite entre bouquinage, esprit criminel, les Sims. De toute façon, après que le facteur soit passé, j'irai me coucher aussi parce que j'ai toujours mal la tête et je suis fatiguée. Donc voilà. Et ok, donc je me tais et puis on se retrouve après, de toute façon, au pire, pour que je vous dise au revoir de façon correcte. Oh, vous n'êtes pas droit. Mais vous êtes chiant, on peut être 3. Hein. Peut-être qu'il faut remonter un tout petit peu. Éviter que vous voyez trop le bordel derrière. Voilà, on est bien là. On est bien. Donc, je viens à l'instant de recevoir le petit paquet surprise de la part de Élise. Donc, merci ma petite Élise. Je vais regarder ça tout de suite. Comme ça, je déballe et tu vois. Elle m'a demandé pour m'envoyer un petit paquet de Pâques. Voilà. Je trouve ça trop mignon. Donc, en plus, c'est du fait main, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Il y a des chocobons qui ont pris un coup dans la gueule, mais il y a des chocobons. Alors, il y en a des choses. Oh, je sais ce que c'est. Les chocobons, voilà quoi. Mais c'est pas très grave. Oh, alors attendez, je lis sa petite carte. Bon, elle me dit que c'est pas parfait, mais que voilà, elle a fait ça par plaisir. Mais c'est génial. Par contre, il faudrait que je lave la petite housse. Il y a un chocolat qui a fondu dessus. Donc, elle m'a fait une petite housse comme ça. Donc, elle m'a demandé les tissus que je préférais. Voilà, il y en avait plein que j'aimais bien, mais celui-là, forcément, c'est du vert. Et elle m'a fait plein de petits cotons réutilisables comme ça, mais c'est trop chouette. Regardez comme ils sont beaux. Oh, c'est tout doux. Oh, merci ma belle, c'est trop mignon, je suis trop contente. Oh, le tissu est magnifique. Hein. Il est vert, kaki, comme ça, avec des petites strass dorées. J'aime beaucoup. Et... oh, elle en a fait un paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, merci ma belle, j'adore. C'est génial, en plus, j'arrivais pas à m'en retrouver à part sur AliExpress. Cherchais ceux de chez Action. Donc là, ben, j'ai même pas besoin et ça m'en fait plus. Voilà, c'est génial. Et la petite pochette là, elle resservira aussi. Pour un petit panier pour mettre des trucs dedans. Voilà, j'adore. Merci ma belle, c'est adorable. Donc là, j'attends toujours mon foutu facteur qui est très en retard pour le colis. Là, il m'a déposé, je viens d'aller voir quand même dans la boîte aux lettres par acquis de conscience. Et donc voilà, moi, je vais l'attendre. Moi, je suis dégoûtée, je ne pourrais pas manger les chocobons parce que là, vu la gueule, je n'oserais pas quand même. Soit écrasé, fondu. Donc là, j'attends toujours le colis qui me manque pour le swap. Mais bon, comme de toute façon, je ne peux pas vous le montrer, ça ne change rien pour vous. Donc ben moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui, enfin pour cette semaine. On se retrouve de toute façon dimanche prochain. Hein. N'hésitez pas à faire tout ce qui s'affiche sur l'écran comme d'habitude. Hein. Laissez un petit like, un gentil commentaire. Voilà, n'oubliez pas de répondre aux questions que je vous ai posées au fil de la journée, enfin de la semaine, parce que je ne sais plus c'était quoi. Voilà.
Et de toute façon, on se retrouve demain, mais je ne sais plus avec quelle vidéo. Alors attendez, je vous dis tout de suite. Je ne vous ai pas donné le planning. Je vais faire ça tout de suite. Alors, demain, c'est une palette à make-up plus. Je fais mon teint. Mercredi, la vidéo avec quelqu'un. Vendredi, le top 10 de mes rouges à lèvres bâtons et liquides. Donc, top 20 de rouges à lèvres. Et dimanche, le weekly vlog. En sachant que j'ai deux hauls à vous tourner. Donc, le Shein et le Maki Beauty. Et Amazon, hein, je mettrai les deux en même temps. Et que ça, je vous les posterai en vidéo bonus quand j'aurai reçu mes commandes. Donc voilà. Ça risque de faire une semaine où on se retrouve presque tous les jours. Donc voilà. Donc, ben voilà. Je vous laisse là parce que je vais répéter ben voilà pendant 15 ans. Et donc on se retrouve demain. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.